Tougal Wawel, on passe dans le dos, Oumtiti. Est-ce que c'est Oumtiti qui joue? Joueur en patte, semblait. Tougal Wawel là, Kounia. Oumtiti, est-ce que c'est lui-même qui prend? Oui. Oui. C'est vraiment un tacle régulier pour l'équipe FC Barcelone. Passe en fait en retrait avec Marc-André Ter Stegen. Atletico a mis pression sous l'équipe Karabaglan. Oui, Atletico a mis pression vraiment sous Karabag. Pedro Henrique. Non, on brise de bouche là avec One Friend. Monsieur a échangé quelques mots ou le ballon avec Parolinho. Parolinho conserve l'Ifel pour Nelson Semedo en retrait pour Mascherano. Samuel Umtiti disponible. Est-ce que la balle? Oui, non, l'IAL de référence avec Parolinho qui retourne sous lui. Mascherano le conserve l'Ifel avec Umtiti dans l'axe pour Sergio Busquets. Avec qui? Avec un ballon pour Denis Suarez maintenant. La passe, Jordi Alba côté gauche, Jordi pour Luis Suarez. Luis Suarez, il était presque perdu, mais si gain l'abdomen, il fait le pour Mascherano qui met elle à Sergi Roberto. La passe de Sergi, ballon dégagé par la défense grecque. Les Grecs, ils ont perdu le ballon. Barcelone reprend. Denis Suarez pour Jordi Alba. Jordi Alba pour Messi. On donne de passe de Messi, Bamaché. Olympiakos, est-ce que Bralo parti en contre? Ils ont gagné. On donne. Est-ce qu'il y a une faute? Arbitre là dit non, pas une faute. Ballon contre avec Parolinho. Il fait pour Nelson Semedo. Semedo pour Mascherano. Mascherano pour Samuel Umtiti. Barcelone qui a fait ballon circuler. Même si jusque-là, il est poco capable de déséquilibrer. Défense équipe Olympiakos là. Passe l'en fait pour Jordi Alba. En retrait pour Samuel Umtiti. Umtiti avec Mascherano. Mascherano pour le Barça. Ligue Cervelle. Qui est ce qui est disponible? Il tourne avec Comperlin en bas défense là. Samuel Umtiti, Sergio Busquets, petite passe pour Parolinho, Diego Parolinho, oui, Ligayel, Brésilien Gonzervel, il fait passe là, il remet l'île, la fait jouer Cunha, il fait avec Sergio Busquets, Busquets Gonzervel, petite passe pour Mascherano, Barça, Mascherano, qui est-ce qu'il a balle profondeur là, on longue balle dans deux défenses là, Nelson Semedo, mais on couverture qui fait, on bonne couverture. Il paraît que c'est seulement un match AS Roma Chelsea qui gagne goal. Jusque là on dit United 0-0 à Benfica, Celtic Glasgow 0-0 avec Bayern Munich. Voilà, Paris Saint-Germain Anderlecht, c'est toujours 0-0. Et puis Atlético Madrid. Atlético Madrid, un spectaculaire de DGA vraiment dans l'autre terrain. Équipe FC Barcelone, non, c'est toujours 0-0. Olympiakos là t'es gagné en jeu encore. T'es gagné en jeu. Voilà, nous guetta joué 18e minute. Pour le moment Barcelone sans solution face à équipe ça, sans solution vraiment face à équipe grecque. On tacle de récupération des Catalans, la passe de Sergio Busquets pour qui? Pour Denis Suarez qui ouvre avec Luis Suarez. Luis Suarez est obligé de faire avec Parolinho. La passe de Parolinho pour qui? Pour Jordi Alba. Jordi Alba pour Denis Suarez. Denis Suarez conserve. Il fait avec Parolinho. La passe de Parolinho pour Messi. Parolinho. Parolinho gagne. Parolinho. Il conserve. Passe en hauteur de Parolinho pour Samuel Umtiti. Ballon contrôlé. On tentative. Défiltration. Calgon centre là de Jordi Alba. Le centre contré de Jordi. Et c'est en corner. En corner pour Jordi. Jordi Alba qui joue une corner là. Et c'est Bral. En coup de pied de coin pour les Catalans. De la droite vers la gauche avec Denis Suarez. Denis Suarez, Bral Metel. L'Ifel en combinaison, frappe de Messi. Et là, t'es capable de goal. Il paraît que t'es gagné en jeu. Non, pas de gagné en jeu. Frappe Messi. Hein. T'es trop molle. Que dit l'arbitre? Qui s'est gagné exactement?
qui ça arbitre là dit là voilà arbitre là monsieur Taylor oui Luis Suarez c'est en position fautive mais il paraît que c'est corner que arbitre là bail corner pour le Barça Messi il prend gauche droite là il guide l'autre là pour alors on va montrer nous est-ce que Luis Suarez est vraiment pas en position avancée arbitre là bail faute pour Olympiakos qui s'est gagné exactement Sergio Busquets Mascherano qui reste au sol Argentin nous connaît qui c'est on dur à cuire mais lui arrêté au sol nous voyons qui s'est passé sacré Benek Mascherano on attaque parisienne elle se gagne faute sous arrière gauche, équipe Paris, on a regardé Marco Verratti. Quelle vista de l'Espagnol pour Julian Draxler. Là, c'est une passe de Neymar. Et puis. Bon, Verratti, italien, hein? Julian Draxler, l'allemand. Un ballon qui dégageait avec équipe Anderlecht là, Paris Saint-Germain, Marquinhos, Dani Alves, ballon contrôlé de la tête. Yoguiel, Barcelone, Marco Verratti, Paris Saint-Germain, cap combiné, passe de Thiago Silva, côté gauche, équipe Paris. Hein. Il paraît que Gégol dans le match Sporting Portugal. Face à Juventus là, Sporting l'ouvre score. Sporting l'ouvre score sous équipe Juventus là. Nouvelle-Ouel. Voilà Sporting. C'est Bruno César qui fait goal pour équipe Sporting non. On va montrer nos goals non. Oui. Voilà, un ballon repoussé. Sporting. Oui, il paraît tout que Bayern Munich fait goal. C'est Kingsley Coman. Kingsley Coman qui l'ouvre score pour l'équipe munichoise. Là, à la défense, cap dormi. Et puis Coman et fait parler rapidité. Bah, l'ensemble des joueurs de la main, vraiment. Mais arbitre là, bye bye, rien. Et puis, goal commencé à fête. Dans la journée, Kounia. Commencé à gagner goal à fête. AS Rome 1-0 sous Chelsea. Sporting Portugal 1-0 sous Juventus. Et puis, Sporting a mené 1-0 sous Juventus. Bayern a mené 1-0 tout sous Celtic Glasgow. Et nous retournons dans le match Olympiakos FC Barcelone. Olympiakos FC Barcelone, la passe contrée. Ballon 1 qui contrée. Ballon Denis Suarez, talent qui défend passe pour Luis Suarez qui mettait point de pied en dehors. Oui. Luis Suarez en grande difficulté en ce début de saison. Ballon à contrôler avec équipe catalane. Pas simple d'avoir vous Samuel Umtiti. Non, Nikitel Boudachegen. T'es capable de mes attentes. Ando Derchegen. Game, mais c'est la même. Heureusement, c'est pas un axe goal qui est. Voilà. Derchegen. Problème de communication. Ando Derchegen. Et Samuel Umtiti et son corner pour équipe Olympiakos. Corner pour Olympiakos. Corner de bras balancé. Yo mettait le paquet en ballon qui dégageait.
On déviation, Messi fait on attaque, possibilité de le contre pour le Barça, passe le fait très rapidement avec Denis Suarez. L'IFM de Metel en direction de qui? Paulinho. Intervention régulière selon M. Taylor et qui Paulinho Bagosla qui a joué là, a baillé l'autre visage aujourd'hui. Il a opéré un contre tout lui-même. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon vraiment. C'est actif ça. Et puis Barça avec Denis Suarez. Barcelone gagne Jordi Alba maintenant pour les Catalans. Paulinho conserve les virer, les mettre en retrait avec Samuel Umtiti. Umtiti la passe, le contrôle. Est-ce que c'est Luis Suarez qui a fait Redland ou Denis Suarez de préférence? Il paraît que c'était Denis Suarez. Un stade qui plein à craquer. Paulinho. Arbitre a dit pas de faute sous action ça. Le groupe A, FC Bal 0-0 face à CSKA Moscou. United Benfica 0-0. Celtic Glasgow, Bayern a mené sous lui 1-0. Avec Kingsley Coman, Paris Saint-Germain, Anderlecht toujours 0-0. Toujours 0-0, Atlético Madrid de Karabakh 0-0. ASOM toujours 1 sous Chelsea. Voilà. Et pied levé de Nigues. Saül. Équipe FC Barcelone, la 26e minute. Toujours pas de but dans cette rencontre. Pas même gagné 3 actions dans le match pour FC Barcelone. À part de action du soir, reste à l'un. Avec le Mascherano, il mettait Biel encore en jeu. Barcelone, Sina Liga. Alors même si par exemple samedi c'était vraiment maladresse équipe Athletic Bilbao, autant que l'équipe blanc pourquoi capable jouer une marque parce qu'en fait pour Messi le contrôle de l'Argentin, Messi gagne elle, mettait avec Denis Suarez. Denis Suarez pour Messi, Messi pour le Barça, il doublait Messi, il m'a des deux, Messi gagne elle, Messi, 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 la frappe. On incursion de Messi en dans surface là, on ballon dégagé par Proto. Est-ce qu'il y a en jeu Luis Suarez? Et non, pas qu'il y a en jeu. Denis Suarez pour le Barça. Il va le mettre pour Messi. Messi dans la surface de l'opération. Messi. Il conserve la passe de Messi. Et puis, ballon en dégagé. Danger écarté pour équipe Olympiakos. Nous allons voir action. Messi est dans l'œil. Alors, c'est toute faiblesse équipe ça. Ou bien impression. Depuis Messi pas capable. Non, on action solitaire ou bien en combinaison. Frappe l'en bat vraiment prend. Portien de dégager. Messi lui-même qui tape tenté en action individuelle. Malheureusement pour lui. Lui, action. Alors, portier. Lui, dégage le ballon. On a regardé vraiment Engels. Entraîneur lui-même. Lui, a mangé zong. Entraîneur équipe Olympiakos. Oui, vraiment. On Messi qui tape tenté. Mettez Barcelone sous bonne voie. 68% de possession de balle contre 32%. 3 shoots dans le goal pour Barça contre 0 pour l'équipe Olympiakos. On a compris que l'équipe Olympiakos, lui-même, offensivement, n'est pas construit vraiment pour l'arriver devant le goal. Équipe FC Barcelone à l'attaque. Côté gauche avec Jordi Alba. Le Barça domine largement la rencontre. La possession de balle avec 3 shoots. Mais c'est pour domination dès que yo a et couru avec l'équipe blanc. La passe de Messi. Yo retourne sous lit. Le contrôle de l'Argentin. Messi tente un petit pont qui pas marché. Et son touche pour équipe FC Barcelone. Nelson Semedo en retrait. Nelson, alors Wendy Voye nous sont l'autre terrain. Il paraît que c'est équipe Paris Saint-Germain. On contrôle, on frappe. Est-ce que oui, c'est Marco Verratti. Marco Verratti lui-même. Espérant que le bâton jeu est vraiment un contrôle parfait. Et puis on enchaînement. C'est on merveille. Monsieur, voilà, on merveille de Marco Verratti.
c'est vraiment Kylian Mbappé, passeur, Vusu Golza, Kokenchen Golza, de Marco Verratti, et Paris Saint-Germain qui a mené un goal à zéro sous équipe Anderlecht. Marco Verratti félicité par Neymar Junior, équipe Barça, Olympiakos passe en fait, possibilité de frappe. En possibilité de frappe. En possibilité, alors on frappe qui passait largement au-dessus. Frappe ça, pas inquiété du tout. Il n'est pas inquiété du tout. Tachegen, à nous rappeler le match à l'heure que Olympiakos est tombé 3 goals à 1 à Cap Nouan. Équipe Olympiakos là. Barcelone, Paulinho qui arrivait récupérer ballon brésilien qui a pas assuré marquage là. Olympiakos qui joue à domicile. Équipe ça occupé dernière place là avec provisoirement un point. L'ouverture de Messi en direction de Denis Suarez à l'entrée de la surface de réparation côté gauche. Denis Suarez, bon tir enveloppé, mais son passe que le fait qui contrait. Denis Suarez, c'est au contrôle. Et puis, on frappe qui contrait. Ballon avec Nelson Semedo. Oui, Jordi Alba Demandel. Et puis, équipe Olympiakos Real capable sorti. Et les Barcelonais qui sont invaincus jusque-là. Ils ont invaincu dans la Liga. Mais tout, ils ont invaincu également en Ligue des Champions, tandis que l'équipe Olympiakos lui-même lui a éprouvé en pile difficulté dans le championnat de la Kaili. Équipe grecque, c'est dans 5e place en guerrier avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites, 0 victoire dans la Ligue des Champions. N'a comprendre que Barça, en cas de victoire ce soir, l'a validé BL pour 8e de finale Ligue des Champions. Alors tandis que Olympiakos, en cas de défaite, après toute chance lionnette, eh bien lui-même y a enterré. Voilà Barça avec Samuel Umtiti. Demain, a gagné un bon Napoli Manchester City, mais a gagné Tottenham Real Madrid tout. Voilà, qui match Olympiakos, qui match Wendy Massa, CSKA Moscou, CSKA Moscou, FC Ball, CSKA Moscou, FC Ball en reprise qui allait dans le camp. Voilà, équipe CSKA. Balle, c'est balle de préférence qui l'ouvre score. C'est balle qui l'ouvre score sous équipe CSKA Moscou. 33e minute. Match Olympiakos Barça. Toujours pas un goal. Barcelone. Pourquoi capable de jouer Brechlan. Nabal de Faslan. On passe de la tête. Est-ce que c'est en jeu? Et ballon en contrôle avec Luis Suarez, arbitre là. Et ce qu'il y faute. Faute au dépend de Luis Suarez. Suarez qui connaît en début de saison difficile. Monsieur baissé considérablement. Il y a même parlé d'un joueur qui gonquisse, qui t'a obligé opérer. Pour prendre Barça. Et Pablo Parissa, puisque. Si on opère, monsieur, c'est pas quoi le cas, c'est le cap gain devant. Justement, et pour prochain match amico, équipe Uruguay, monsieur, pas pour match ça. On comprend pour équipe FC Barcelone, très loin placé, très loin de la cage de Proto. Mais si. Semblait braler directement dans le goal de la Limetel. Proto qui mettait ballon en corner. Bralwell. Messi qui allait directement dans le goal là. Et puis Proto. Paris de qui ballon sec.
Li dégage en corner, corner beauté à la Rémoise. Messi et Sergi Roberto, la passe dans l'intervalle pour Nelson Semedo, mauvaise passe. Et puis, équipe ça, malheureusement, pas bon. Messi à la couverture, il y aura alors un bon dribble. Équipe Olympiakos là, une intervention de qui? Une intervention correcte. Et équipe Olympiakos là, Luis Suarez, il fait dans l'axe pour qui? Pour Messi, le contrôle de l'Argentin, la passe pour l'Espagnol, Sergio Busquets. Jordi Alba maintenant, Jordi Nifel pour qui la passe de Denis Suarez. Est-ce qu'il y a une faute sous Messi? Oui, alors Atlético Madrid, Carabag, Atlético Griezmann prend élan, l'y met directement au-dessus. Qui s'est gagné directement au-dessus? Gagné, paraît-il, une intervention sévère. Well. Ça c'est Koufran qui passe tête mûre là. D'après dehors. Intervention ça vraiment. Intervention ça de Tachidis. Voilà. Et. Toujours 0-0, 35e minute. Plus de peur que de mal pour Messi. Qui déjà apte pour lui jouer. En coupant pour Catalan. Qui est-ce qui est sous ballon? Est-ce que c'est Jordi Alba? Monsieur Taylor. Anthony Taylor. Barcelone. Maviel Mascherano maintenant pour. Les Catalans, Nelson Semedo, le Portugais. Nelson, aujourd'hui titulaire. Ivan Rakitic est laissé sur le banc. Et Sergio Roberto a joué la place liant. Prenez qu'on jouait, on passe de Samuel Umtiti en intervention. Olympiakos, jusqu'à présent, défensivement, il a bien joué. Mais c'est surtout construit. Alors, les Absotti, il n'y a pas de finition. Mais Absotti avec ballon en tout. Oui, on passe, bien joué. Et là, quand il voit le on frappe. On ballon calé directement sous Deschegen. Belle action pour Olympiakos. Belle action pour Olympiakos. Voilà. AS Roma font deuxième goal face à Chelsea. Et en deuxième goal, il paraît que c'est encore. Est-ce que c'est El Shaarawy qui frappait pour une deuxième fois? Oui, c'est lui-même qui frappait pour une deuxième fois. A regardé Rudiger qui a dormi. César Spiliqueta. Et puis El Shaarawy anticipé. Il fait goal. Chelsea lui-même qui dos au mur. Non, match football ça. Football italien, monsieur Guinness. Anessa, tout bon vrai. Il y a brevé Nelson Semedo. Nelson, bon contrôle. Nelson, on frappe. On frappe de Nelson Semedo. Deux joueurs courir des ballons et puis qu'ils aussi. Deux nègres courir des ballons et puis ballon à sauter quand même. Nelson Semedo. Lui-même, Paulinho. Qui a pris un galon de l'équipe blanc. Et c'est Luis Suarez. Messi qui était corner là pour. Denis Suarez, qui prend le balle en trajectoire sortante, il met elle pour reprise de tête. Par ça, Messi, est-ce que la guide sorti? Oui, il quitte le sorti. Et Libral fait rentrer Touchland, Lifel, avec Jordi Alba. Jordi Alba en direction de Sergio Busquets. Busquets pour qui? Lifel avec Mascherano. Sergio Roberto maintenant. Non, c'est. Oui, la passe de Sergio Roberto, la remise de Parolinho, ballon avec Denis Suarez, côté droit. Denis Suarez qui gagne, Nifel en retrait pour Javier Mascherano. Mascherano pour Samuel Umtiti, le Barça qui combine, les Catalans qui se passent la balle, mais ils ne sont pas capables de jouer une profondeur là. On passe de Samuel Umtiti, ballon rencontré, et puis équipe ça, ils montrent une équipe qui est capable d'opérer en contre, et de fait, ils ont opéré en contre, mais on voit une passe, et puis, pour qu'est-ce qu'ils font lui-même, quand on frappe là, on contrôle Olympiakos, dans la surface là, l'aller, mais frappe là-bas.
frappe là qui pas marché. Il paraît que Karabakh l'ouvre score sous Atlético de Madrid. Karabakh, Juan Oblak. Karabakh l'ouvre score. Karabakh, on corner de Will Donald Guerrier, Zélie Botel. On coup de tête, monsieur. On coup de tête vraiment imparable. On coup de tête imparable. Will Donald Guerrier qui fait une beauté corner là. Et puis Karabakh l'ouvre score sous Atlético de Madrid. Et son bonne opération en déplacement surtout. Oui. Will Donald Guerrier qui beauté corner là. Et puis, coup de tête ça. On vérifie le bien, moi, c'est Donald qui va passer là. Ça a prêté. Oui, ça a prêté. Pour lui, non, actif lui. Équipe FC Barcelone, non, toujours 0-0. 5 minutes avant la fin du premier acte, toujours pas de but. Équipe et FC Barcelone, non, Messi. Qui s'est gagné exactement? Wendy, Edwidge, Petit, Paris Saint-Germain. Toujours, oui, c'est Wild, Donald Guerrier, passeur décisif. Sous goal, Michel Lan. Équipe Lan, passe en fait en retrait dans le match. Paris Saint-Germain face à Anderlecht. Ballon dégagé par le portier de Anderlecht. Intervention de la tête de Thiago Silva. Et puis le contrôle de Neymar Junior qui a plein de vitesse là. Vraiment, arrière-droit d'équipe. Anderlecht là. Neymar, ça l'a le dentel là. En football, on fait des isnets. Bayraz, là le dentel. Et puis Anderlecht a essayé sorti. Il a essayé sorti Adrien Rabiot au marquage pour les Parisiens. Et puis équipe ça a baissé mais non attaque. La bonne lecture de la défense parisienne. Adrien Rabiot. Alors, carton jaune pour Sergi Roberto, qui s'est gagné exactement. Il paraît que, alors, il semblait touché. Est-ce que la va continuer? Regardez-moi, monsieur. Un public, vraiment, qui, malgré que l'équipe n'a pas bien marché, mais ils ont déplacé en foule, en masse, viennent chauffer l'équipe. Sergi Roberto. Et là, on a regardé vraiment. Et joueur yo qui a parlé entre eux, on va se faire capable motiver une autre pour yo ouais qui sait vraiment yo comment yo capable continuer contrer attaque équipe catalane ou équipe Barça. Alors faut que nous dit et Rulmix qui a su football en pile malgré que Barça fait le plein et 9 sur 9 mais ou capable compter et sous doué tout. Dans trois premiers matchs, qui gros match que le jouer, c'est peut-être match face à Juventus là. Après ça, face à Sporting, c'est vraiment un autogol qui était bas aux victoires là. Et puis, face à Olympiakos, malgré que d'après une infériorité numérique, il était arrivé à gagner 3 goals à 1, mais t'as gagné autogol tout, passe ça de Paulinho, le manque est sorti Paulinho, extérieur, là, pas de bon. Et Olympiakos, Paulinho, il t'a fait faute, là, mais le bas joué ni. Olympiakos, pas ridicule, mais il n'est pas capable de gagner, il n'est pas capable de finir action au devant pour l'équipe Olympiakos, là. 43e minute, Télékissé à Gen 14, Gisèle Cable 65, à l'heure de la 4e journée de la Ligue des Champions, Olympiakos a mené en attaque. Barcelone, où est son équipe qui paraît ordinaire? Oui, il a contrôlé, il a eu un joué, mais pas une production jouette. Olympiakos, oui, la passe qui déboule ou même à le placer. Oh, merci, papa. Tachegen, facilement, roule le ballon avec Sergio Busquets qui fait pour Messi qui contrôle elle. Messi, Sergio, bien joué avec et Paulinho. Le contrôle orienté de la poitrine du Brésilien. La bonne passe pour Luis Suarez, fais monter Luis Suarez. Il fait passe pour Messi. Le contrôle, mais le bon tacle réalisé par le défenseur grec qui prend ballon en pied. Lionel Andrés Messi, Olympiakos. Oui, mi-temps semblé a fini 0-0. Barça, pas capable de joindre deux équipes là. Tellement équipe ça. Li a bien comporté. Et il a défendu bien.
mais yo sorti ballon bientôt ou est que son équipe de compte que lié mais yo pas capable faire preuve de lucidité devant Golan. C'est ça qui manque là la vérité. Il a fait ballon en circuler Rounia Olympiakos en retrait pour Engels. Engels gagne et puis dans qui match United oui l'ouvre score avec un frappe de Matic. Oui, on frappe. Alors portier en lui-même ballon en prenant basse boto et puis portier mettait ballon en goal et c'est l'ouverture du score pour l'équipe mancunienne. Alors Manchester United qui ratait un penalty n'a pas rappelé ça et c'est et Anthony Martial français qui ratait. Voilà, nous a vraiment t'as regardé l'intervention ça de Mascherano tout à l'heure. Oui, il paraît qu'il n'y a pas de bain et puis il y a des piles, monsieur Dou. Voilà, là, monsieur lui-même, Livo et Piel, pour le Dagabab, c'est capitaine Botia qui devait intervention ça pour l'équipe Olympiakos. Bonne nouvelle pour FK Karabag qui lui-même a mené un goal à zéro. Alors, oui, et de le faire où entraîne en place Sergi Roberto qui sortit sous blessure de le faire où en lutte. Mais là, on se met du bail en passant. Et bien bon, à bientôt tout rappel. Voilà, c'est la fin de la première période sous tout terrain ou pratiquement. C'est fin première période, yo. Le temps pour nous observer pause mi-temps. Natouné pour deuxième période là. Deuxième période, Olympiakos face à FC Barcelone. Quatrième journée, Ligue des Champions de football. Premier mi-temps fini 0 à 0 avec quand même une très bonne opposition. Belle opposition de l'équipe Olympiakos là. Défensivement qui est résisté à attaque équipe catalane, même si on bat en pile, mais ils ont joué un bon match football. Voilà, équipe catalane. Alors, ils ont recommencé à faire ça que ils ont habitué à faire toujours, à savoir passer ballon loin, mais ils n'ont pas gagné et fluidité, ils n'ont pas gagné vraiment. On jeu qui est déstabilisé à la vérité. Équipe Olympiakos, non. Olympiakos, voilà, de l'offre où a contrôle que le fait. Et puis, Saint-Lan, ballon en bas sorti. Et alors, Jordi Alba sauvé sous ligne de touche, là. Quel passe de Paulinho. Et puis, on passe à côté pour Messi. Cette fois, c'est pas pour Messi. Messi, alors, Jordi Alba avec Messi, ils ont fait combinaison ça en pile. L'ouverture de Mascherano bougera de l'offre où il cherche des encore son joueur de débordement même que lié et puis ballon allé en touche. Barça semblait pressé, yo voulait faire 12 sur 12 là, mais Olympiakos pas tant de bagaille ça dans même oreille avec yo. Yo a lutté, y a livré une bataille vraiment qui rude pour yo empêcher. Alors il paraît que son mauvaise touche que Nelson Semedo a fait, en tout cas monsieur montre que le Guiras, oui, c'est une mauvaise touche pour équipe. Alors que Nelson Semedo a fait, Olympiakos, ballon dégagé, une longue balle, une petite scie de la tête au milieu. Non, heureusement que Paroline était là pour équipe catalane. Et puis Olympiakos, yo écarté danger. Intervention de Samuel Umtiti, passe déviation de l'histoire, c'est pas bon. Bon faute là. Monsieur Anthony Taylor. Voilà. Sous pratiquement tout terrain. Yo. Et deuxième période, yo, démarré. Équipe Olympiakos là. Negio a durci jouet là. De temps en temps, Sporting Juve. 1-0 pour Sporting. Oui, et puis Sporting saute joindre en action qui était capable de mener à 2-0 mal exploité par attaquant. Je vais te le reprendre dans le pays, la Grèce, parce qu'en fait, avec Jordi Alba. Jordi Alba dit à pas avancer, il fait passe en déviation. Ballon avec Sergio Busquets, c'est pour qui
La longue balle de Sergio Busquets, mais Messi le bon. Oui, Messi qui a applaudi Busquets, mais il pas démarré à temps pour que le capable jouer ballon ça. Algon dégagement avec Plotto pour l'équipe de l'Olympiakos. Sergio Busquets de la tête. Alors, match long, Théon, début de deuxième période. Ça, équipe Barça, on passe de Mascherano. Sergio Busquets retourne en souli. Aviel Mascherano, Valfel, Samuel, Umtiti. Alors, tout le monde habitué avec et le son ça. Circulation de balle, ça nous connaît. Mais Napton de référence que nous ouais. Passage dans le dos, redoublement de passe et infiltration, percussion par Olinho. L'équipe d'El Bougera de Le Ferrou, passe en retrait pour Aviel Mascherano. La passe de Mascherano pour Nelson Semedo, côté droite. Nelson Semedo, le portugais. Nelson qui fait passe dans Bougera de Le Ferrou. En retrait pour Parolinho. Parolinho pour Messi, Messi pour Parolinho. Parolinho gagne. Nivelle avec Sergio Busquets. Sergio, liche capotel à gauche pour Jordi Alba. Le contrôle de l'Espagnol, la passe. Ils remettent l'île et puis Barcelone a combiné mais joint brèche là, c'est ça qui paraît difficile là. Sergio Busquets pour Parolinho, Parolinho Mascherano, Mascherano Samuel Umtiti et puis un bon marquage de équipe ça, équipe Olympiakos là. Oui, tactiquement ils ont pas gagné sous terrain, ils ont forcé Barcelone tourner ballon en encal. 316 passes pour Catalan, 137, 70% de passes réussies. Et pour équipe et Olympiakos, sans ça, pas bon. Ballon en tout à l'heure. Et Zebral ont remise en jeu. Alors, on va chercher touche Ernesto Valverde en Neguissa. Ou pour Gababouel, véritablement. Oui, ou pour Gababouel. Alors, Paulinho, lui-même qui. Hop, intégré équipe blanc. Et bien, il y a un monde Gérard de Leferrou qui lui-même, ou t'es gagné. Oui, ou, justement, ou t'es gagné. Oui, on fait victoire, mais ce n'est pas une équipe vraiment qu'on capable de dire. C'est la plus belle équipe qui gagne en Europe blanc. Certes, il fait un peu de victoire en championnat d'Espagne. Là. Oui, justement. Et là, on va sentir que les capacités vraiment, ils arrivent sur le dernier match Atlético Madrid, Atlético Bilbao en plus surtout, mais Atlético en tout, et si ce n'est pas de maladresse, ils étaient capables de gagner FC Barcelone. Et là, équipe blanc, et jusqu'à présent là, son Messi dépendance, soutenu compte de nombre de goals qu'ils ont fait, et implication Messi sous nombre de goals, son maga infernal, ça a fait que l'équipe ça, certainement, en janvier, ils sont capables obligé de faire l'autre recrutement puisque 2018 c'est pas une blague à jouer Kounia, c'est pas la phase éliminatoire, phase élimination directe de vous gagner, de vous capable de faire le meilleur sous ensemble de matchs là ça ou obligé de mettre Van Avoel ou passe en fait on contrôle et puis on passe de Denis Suarez pour Luis Suarez pas une faute Olympiakos il va laisser sortir bon contrôle Sergio Busquets prend alors Paulinho l'ouvril pour Gerard le faire qui prolonge mais passe ni encontré alors Lyon lutte toujours Olympiakos récupère et il met le devant Samuel Umtiti Alex Gomblaise il va gagner Mounzouli il va gagner difficulté pour l'exprimer alors ou pas capable de juger vraiment défenseur là sous l'aile gain ballon on le remet il fait passe, il fait couverture pour contre lui, mais il faut que vous ayez une capacité pour que lui saute dans le marquage à la manière de on parle Maldini et vraiment lui-même on Nesta par exemple on Cafou pourquoi pas il y a même des personnes qui vraiment illustré dans ce sens Olympiakos à l'attaque combien de monde on est capable de faire gol tout alors les yop fait attaque yo. Yo manqué moun vraiment, yo manqué moun qui pour construire attaque yo, yo a laissé une ou deux, là li paraît un peu difficile, tandis que Barcelone lui même, li poko capable et mette équipe ça en danger vraiment, Jordi Alba, li fait passe là, on contrôle, Luis Suarez, ballon perdu, ballon de football ou même, Luis Suarez, alors li en baisse, mais techniquement d'où, c'est pas un joueur qu'on capable de compter sous lui, et rare action individuelle, que le réussit yo, ou est que yo, il manque fin, comme attaquant, il manque fin, il n'y a pas de technique 10
sur 10, li pa gen capacité pour que, et même si ou capable retourner sous quelques gros goals que le fait, côté que en 2015 par exemple, le dernier Barça face à Paris Saint-Germain, le tape humilié et brésilien qui a gagné Chelsea actuellement, n'a parlé de oui, David Luiz qui défait une ou deux dribbles justement Maxwell Doux, mais c'est pas un joueur qui est capable de répéter action ça au tout temps à la manière de Neymar Junior, à la manière de Karim Benzema, en Cristiano Ronaldo. Et voilà, là, équipe Karabakh, la Wendy, t'es capable de faire un deuxième goal. Mais la Brésil, ouais, Will Donald derrière, monsieur. Est-ce que c'est lui-même qui fait faute là, monsieur, parce que l'opération, hein, habituellement, laissé jouer. Et puis, Barça, ouverture, Messi. Et puis, passe en retrait, ballon qui contrait, Paulinho, ouverture. Et puis, on centre. On centre. Barcelone a cherché Gounia, l'a insisté. Passe par Ligno à bout de le ferrou, on centre. Ballon qui contrait. Et son corner de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite, ballon qui balançait. Et puis qui dégageait. Équipe FC Barcelone a fait marquage là. Pour être capable d'empêcher Grec qui sorti avec ballon et de fait yo récupéré le ballon récupéré par la formation barcelonaise. Mauvaise passe, mais après c'était une faute, yo fait rapide. Non, monsieur Taylor dit peut-être c'est pas en Espagne où il est là, placer ballon en place li pour qu'on capable faire coup franc pour qu'on est en général. Et ni Barça ni Real yo souvent et vraiment faire coup franc rapide ça yo pour yo capable faire goal. Coup franc pour équipe catalane non, 55e minute ou pourquoi ouais côté goal là capable sorti et Wendy Edwidge ou pourquoi ouais vraiment entre-temps tant en ouais Paris Saint-Germain a mené 2 goals à 0 avec Neymar qui devient le deuxième goal depuis en fin première période là. Oui, alors et là Paris Saint-Germain avec Kurzawa joint troisième goal là, 3 à 0 pour l'équipe parisienne. Au Paris Saint-Germain Champagne qui lui-même a survolé groupe ça, groupe qui gagne Anderlecht, Celtic Glasgow avec Bayern Munich. Kurzawa Nouvelle-Ouel et son corner de Neymar repoussé en coup franc alors de Neymar qui repoussait, voilà mes coups francs, un coup franc de Neymar. Oui, portier en fait et fort là, mais Neymar là, est-ce que c'est Kurzawa qui met-il? Oui, et puis Kurzawa lui-même joint troisième goal là pour équipe Paris Saint-Germain. Voilà, chers téléspectateurs, Paris qui a réalisé là une saison tête chargée. Sporting Portugal toujours. Alors Atlético égalisé, canon frappe, canon merveille de frappe. C'est Thomas Partey lui-même qui joue une égalisation pour équipe Karabaglan. Karabag Capmeno attaque, canon frappe pour équipe Atlético Karabag. Pendant que oui, nous voyons Jess Donald Gabriel qui demande à M. Ballon et Bilvoy lui-même. Il fait shoot de carré qui babaye un yen Atletico avec Thomas Partey. Voilà, nous tournons Engels qui prend carton jaune. Alors, ça nous va jouer l'heure de jeu. Toujours pas un goal dans le match. Ça, Luis Suarez, effectivement, t'as une faute sur Luis Suarez. Ou intervention musclée au dépens de Luis Suarez. Intervention muscle de Luis Suarez. Intervention muscle de Luis Suarez. Qui lui-même t'a subi faute ça. Équipe Olympiakos. Ballon en de terrain. APC combiné. Tentative de Denis Suarez. On va le récupérer. Barça APC sorti. Passe en fait le contrer. Olympiakos a fait un marquage intéressant, payant jusque-là. Et puis, on est capable de faire goal tout même. Passe en fait là, en action. Il n'y a pas de hors-jeu. Attaque pour l'équipe grecque. Le centre.
Est-ce que vous jouez pour Wilmix? Il a marché sous défenseur, un bal job. Oui. Alors, on ambiance de tonnerre infernal même dans ce stade-là. On sentit que les fanatiques ont aimé Jean équipe Yoa à défendre là face à l'équipe Barça en corner. Je mettais dans la surface de réparation. Kachegen, Boxel. Et puis, on remise, possibilité de frappe, on contrôle de référence. La baisse est aussi, ballon encore en jeu. Le contrôle pour l'Olympiakos. Non, libéral sous ligne, de toucher la baisse du ballon. Il cherche corner là, il fait centre là. Un ballon qui dégage, Barça. Et au gain là, avec, on passe de Messi, bougera de Leferrou. De Leferrou, Messi, contrôle là-bas pour Messi. Mauvais contrôle. Et vraiment, bonne récupération de la part de joueurs de l'Olympiakos. On attaque Nelson Semedo. Non, pas une faute. Il y a une faute Kounia. Il y a une faute Kounia. Oui, il y a une faute Kounia. Et son coup franc pour équipe Olympiakos. Un coup franc pour Olympiakos. Oui. Effectivement, Nelson Semedo fait faute. Fait faute. Un coup franc qui est capable de porter danger. Pardon, ambiance, monsieur. Pas un côté oubli qu'on zépingue. Équipe. Alors, c'est pas ton coup franc, on dit. C'était une action en cours de jeu. On frappe sous un passe de Griezmann. Et oui, l'heure de jeu. Coup franc, ça, bye bye. Un pour équipe Olympiakos. Kachegen mettait ballon en corner. Kachegen. Alors, j'ai l'impression d'être Messi, c'est deuxième plus bon joueur de l'équipe Zagin. Tellement monsieur décisif pour l'équipe Barça. Tellement monsieur décisif. Le corner beauté. Possibilité de frappe. On frappe qui va bailler rien. On frappe qui va bailler rien. Ballon en bras dégagé avec Ter Stegen. Ivan Rakitic. Monsieur retiré par Oligno Bonheur. Li a monté avec Ivan Rakitic. Qui ça va le chercher exactement? Puisque là, dans le match, Paris Saint-Germain Anderlecht. Marco Verratti, lui-même, Marquinhos, Thiago Silva, la charnière brésilienne de cette équipe parisienne, le contrôle de Nelson Semedo et Gérard Deleferrou pour le prolongement pour Nelson Semedo. Nelson qui a avancé, mais il y a faute l'arbitre là. L'arbitre dit non, pas une faute. Alors, peut-être que l'été paraît que joueur là, c'est premier monsieur, équipe Olympiakos là. Passe en fait, on ballon perdu. Et bien Messi BI, la passe de Messi. Premier goal, du Suarez. Messi, Messi, Messi. Et pas un goal. Pas un goal sous action. Well, du Suarez. Oui, il était un peu difficile pour que. Alors, on. Reprise totalement ratée de Argentin. Et puis, entraîneur lancé normal pour que lui relaie après jouer Lyon. Parce que là, il y a deux matchs à jouer. Ou pas grave pour un goal stupide comme ça. Le long dégagement de Prosto pour l'équipe de l'Olympiakos. Toujours 0 but partout. Quatrième journée, première partie, demain, Real Madrid, Tottenham, Napoli, Manchester City, Atlético de Madrid, Carabag, toujours 1-1. Wildonal, est-ce que c'est Wildonal Guerrier? Jean-Marc disait là, oui. Wildonal Guerrier, oui. Même pour vous, vous été à terre. Pour réaliser avec caméra sous vous. Et puis, pour sûr que. Tout pays en regardant
ou de la guerrier, les garçons sont maman à mettre à terre là. Nous voyons qu'il y a Foissel, Boussotti, équipe FC Barcelone, non. Ils ont toujours pourquoi capable d'ouvrir le score. AS Roma toujours 2-0 sous Chelsea, Paris 3-0 sous Anderlecht, United 1-0 sous Benfica et Bayern. AS Roma 2-0 sous Chelsea, Paris 3 sous équipe Paris Saint-Germain mené 3-0 sous Anderlecht. Voilà équipe et Barça, on passe en ouverture, bien joué pour de Gérard de Leferrou. Ivan Rakitic qui entre le match de Leferrou. On voit ça monsieur, c'est le problème Wilmix. Alors pas gain espace. Oui, équipe AS Roma là joint en troisième goal là, le problème on contrôle et puis on frappe dans le premier poteau. Si beaucoup toi capable de faire un pour lui. Est-ce que c'est Perotti qui fait qu'une chaîne frappe ça? Oui, c'est Perotti qui lui-même mettait frappe ça dans le premier poteau. Si beaucoup toi, oui, c'est Perotti même qui frappe le moment. Alors, yo la caillou, AS Roma a corrigé équipe Chelsea, ballon avec équipe Barça, toujours 0-0. Est-ce que, combien de matchs? Alors, est-ce que c'est le seul match qui 0-0 on coup d'œil rapide? Oui, c'est le seul match qui peut gagner un goal là-dedans. Paris Saint-Germain 3 et sous Anderlecht, Verratti, Neymar, Kurzawa, Bayern 1 commande sous Celtic Glasgow, FC Ball 1 sous CSKA Moscou, United 1 sous Benfica, Atlético Madrid 1-1 sous Karabag. Alors, est-ce que là, non, égalisation. CSKA qui égalisait avec FC Ball, égalisation de CSKA Moscou, ESCOM. Alors, El Shaarawy fait un doublé dans le match football, ça, et puis Perotti, une troisième goal, Atlético Madrid, 1-1. Alors, Karabag, bonjour, Pagadon Rouge, monsieur. Problème Pired, équipe ça, le Pagadon Rouge souvent, et par rapport au fait que, ils ont fait un pile erreur tactique. Bon, si vous mettez le dehors là, vous allez demander le fâché. Pendant que ben rien que c'est la brigade sous terre, nous soyons, si vous mettez le dehors, vous mettez qui est-ce? L'autre l'a pis mal. Et même, pas quoi le cassel. Et même, pas dans plan vraiment. Ernesto Valverde du tout. Voilà la 66e minute. Olympiakos FC Barcelone. 0 but partout. Le dégagement du portier grec. Lui-même, Proto, qui mettait ballon loin devant. Quel amorti au milieu. Amorti de la poitrine. Passe l'en fait. Il va sortir. Non, il va sortir. Olympiakos. Allez, il est capable de gagner un match là. Mais il a besoin de prendre beaucoup plus de risques. Oui, je sens ballon. Il y a beaucoup de football yo, normalement. Et puis là, il a joué en touche. Et bon, c'est Mbappé qui a sorti again. Alors, et sorti Mbappé. Hein, et déjà en France, il a demandé pour que Emery mette M. Souban. Fait Angel Di Maria jouer. Et deux changements. Deux argent qui a pris là. Lo Celso avec Angel Di Maria. Mais Unai Emery, monsieur Clair, que il va négocier Mbappé, c'est Mbappé qui a joué. La sortie également de Marco Verratti, Giovanni Celso qui rentrait. Voilà, alors il y a beau monter nous gol ça. Et Mbappé qui fait gol souvent, même j'avais Iniesta, Mounza va faire gol souvent, mais chaque loyer du fait gol dans le match, ou met à le garder. Pour est-ce que c'est bon merveille? Dani Alves fait un retrait pour Marquinhos qui va le mettre devant dans le combiné pour Dani Alves. Il retourne dans Zouli. Bon souci vraiment pour que il pas voué ballon devant, gaspiller ballon. Là, on tourne dans le match 0-0. Là, on contrôle avec qui? Avec Luis Suarez. Il fait le bouger de Leferrou. Il va bailler Messi. Il conserve. J'ai de Leferrou. Il conserve. On passe pour Ivan. Ivan pour Messi. Messi pour Sergio Busquets. Busquets pour Messi. Messi. Pour rien, nous devons. Un jouet là. Ballon avec Sergio Busquets. Busquets fait avec Nelson Semedo. Nelson.
Il gagne pour Ivan Rakitic. Ivan avec Messi. Messi qui va l'accélérer. Il fait passe là. On petit passe pour Denis Suarez. Denis Suarez. Denis Suarez. On frappe. On dégaine monde devant. Frappe ça. Des barrettes inutiles. Aviol Mascherano. Le Barça qui insiste. Malgré tout, les Grecs résistent. Ils ont résisté avec attaque catalano. Nelson Semedo. Ballon avec Sergio Busquets. Mettez la droite. Capotel en direction de Gérard Deleferou, la passe pour Nelson Semedo. Barça, ballon a passé sur tout le côté rien, mais joindre que défense, c'est pas facile même. Messi, Meni, qui a été mis au milieu de 4 joueurs, la passe de Messi, la bague chercher intervalle bien gauche, ou vient mettre des frappes sous le monde, il a fait un marquage important, la passe de Messi dans le dos de la défense, et puis, défense là a bien joué. Voilà, Ernesto Valverde, lui-même, qui a dirigé un contre football, ça. Messi qui gagne. En corner pour Catalanio, 70e minute, toujours 0 but partout. Talon dans le débat sur l'info autogol. Talon dans le défaut autogol. Et puis au gain match, Jean Odebel face à Sporting. Ballon va le balancer. Le corner botté par Lionel Messi. Ballon dégagé de la tête. La reprise peut-être. Non, on reprise ratée. Et Barça avec un beau coup de Luis Suarez. Ballon de frappe. On frappe. On frappe. Non, contre le lien, pas bon. On de football. On passe. Et puis, équipe Olympiakos là. Il y a une capacité ça. Pour yo sortir avec ballon. Il du ballon de lui-même. Il est tellement fou. Et puis, Samuel Umtiti. Libali avec qui? Avec Denis Suarez. Denis Suarez, le contrôle de l'Espagnol. On espace. Voilà un jeu décousu. Nous sommes en train d'assister à un match terne. Un match avec beaucoup de déchets de la transmission du ballon. Alors, Sporting Portugal, c'est toujours 1-0 que l'a mené là. Sous équipe, je vais faire 4 côtés Sporting va arriver, monsieur. Gringo Gojan font victoire. Et là, l'a mené là, 1-0 sous Turinoyo. En équipe turinoise, qui lui-même était bien sorti dans le championnat d'Italie. Voilà, c'est toujours 1-0 en faveur et des Portugais. Eux-mêmes, là, c'est Luis Suarez. Oui, où elles font fin de jambe. Où est ballon, parce que ma fin de jambe, non, vrai. Où est, il paraît, gros gommette. Il a pour montrer nous vraiment, geste technique, ça. Qui j'aime, monsieur, mettez Messi dans le vent. Voilà, joueur Olympiakos, nous vraiment a parlé de Fort Nice qui a joué dans point attaque équipe Olympiakos. Alors Ivan Rakitic de la tête, il mettait avec Marc-André Ter Stegen, ballon dans la défense centrale du Barça avec Mascherano. Maintenant on passe de Sergio Busquets, Messi en accélération, on passe de Messi, Luis Suarez fait red là, mais défense là bien joué tout monsieur. Alors Botia, monsieur accompagné Luis Suarez, lui accompagné jusqu'à ce que lui contre-tire là. Voilà, oui, mais contrôle Lyon. Et puis Botia accompagné lui fait shoot là. Ce dit non pas passé. Lui bien contre elle au corner, en déviation, en reprise. En reprise de Luis Suarez. En reprise de Luis Suarez, qui s'est gagné exactement? Ballon joué dans la main. Joueur Karabaglan. Ah, mais t'as pas bien dit, monsieur. Non, il y a pas eu. Et il y a des gars en jeu. Et Atletico Karabag. Et. Qu'est-ce que ça fait aussi? Changement dans l'équipe Karabaglan. Oui. Karabag a joué en infériorité numérique. En cas de défaite de Karabag, tout dit adieu. Barça et Sergio Busquets, l'Ifel avec Messi qui prolonge en direction de Gérard Deleferou pour l'équipe catalane. Gérard Deleferou passe de jambe, Ligue 1, passe en fait avec Messi, la passe de Messi. Sergio Busquets, il va continuer de jab. Jordi Alba, Jordi Alba en retrait. Pas d'espace vraiment. Passe de Samuel Umtiti pour Aviel Mascherano. Les Catalans qui insistent, mais qui ne parviennent pas à déséquilibrer cette défense.
bien organisé de l'équipe de l'Olympiakos, Gérard Leferrou. Oui, Miguel Nelson Semedo en retrait pour qui pour Messi. La passe de Messi pour Sergio Busquets. Busquets pour Messi. Le contrôle de Messi. Messi, la passe contrée de Messi. Et puis, ballon dégagé. Aviel Mascherano qui gagne le Gugnard. Aviel Mascherano pour les Catalans. Il y a Nelson Semedo qui est disponible. Mais il préfère combiner avec Ivan Rakitic Chocouat. Oui, égalisation du Celtic face au Bayern Munich. Merci Wendy Dutch-Petit, vraiment, qui réalise un travail exceptionnel à la régie. Wendy nous permet de vivre vraiment les différents buts sur les différents terrains. Nous connaissons que c'est un bel match, oui. Quelle frappe, la passion tout dans l'intervalle. Et puis, monsieur Fusillé, portier, équipe allemande, non, portier munichois, et vraiment, lui-même, équipe allemande. Alors, en corner, quel bon changement. Pendant ça, on a dit que c'est déjà la 75e minute, et puis, Aiguille Montemon, Barcelone, Poco capable de jouer un goal. Mais équipe Olympiakos Nandou, s'il mettons, s'il contient risque en plus, peut-être que l'équipe de tout, à quoi bon pour qu'il prenne risque, puisque on est pris un risque dans tout, Barcelone capable de jouer l'intervalle que le besoin, un corner de la gauche vers la droite. Yobal Metel qui savent faire avec le balancer directement en reprise de tête, en ballon qui dégageait le contrôle. Limetel pour qui? Est-ce que la brûle nous a quitté le matin? Et puis, il tentait de dribbler. Alors, cherchez touche là même. On est remercié d'entrer à la place de Denis Suarez. Ouais, équipe là, fait changement, monsieur. Et, ou pas gain assurance que moun kap sorti souba, ou pral poté plus que moun gizou derrière yo. Calboton va gagner plus vraiment. André Gomes, portugais, qui lui-même fait entrer dans le match football. Là. Nous vraiment dans le stadio Karaeskaki. Oui. Voilà. Olympiakos 0, Barça 0. Et toujours au Gingol. Et puis là, Wendy, nous avons un match Paris Saint-Germain face à l'équipe Anderlecht. Là. Quatrième goal pour les Parisiens. Et c'est un doublé de Kurzawa. Mais on passe tout de Dani Alves et de la tête. Kurzawa fait goal. Pardon, deux face, monsieur. Il y a deux mounes seulement. Oui. Passeur décisif. Voilà, Paris Saint-Germain, impitoyable face à Anderlecht. Mais, regardez la qualité passe Neymar, tout monsieur, passe pied gauche. Oui, au pied gauche, au pied droit de Dani Alves. Et puis, au bout de tête de Kurzawa. Voilà. Et André Gomes qui entraîne un match football. Engels qui a défendu. Ballon dégagé avec Proto loin devant. Samuel Umtiti. Il n'y a pas besoin de ballon trop. Même Léo Guin, il a tenté pour sortir dans la zone dangereuse. Là. La longue balle en direction de Gérard Leferrou. Intervention de Koutris pour Olympiakos. Il a joué non. La touche est catalane. Nelson Semedo rapidement pour Sergio Busquets avec Lionel Messi. Le contrôle de l'Argentin. Il est au milieu de quatre joueurs. La passe pour André Gomes. André Gomes. Voilà. Bayern Munich. Est-ce que c'est Bayern? En reprise. Oui. De Javi Martinez. Monsieur Sauté, monsieur. En coup de tête. Et portier Celtic là. Capable de faire un rien vraiment pour reprise ça. Un coup de tête imparable de Javi Martinez. C'est monsieur tout blessé, monsieur. Il s'est sacrifié. Alors, pour le capable vraiment jouer un goal ça. Monsieur que travail que Wendy Dutch-Petit a fait là. Vraiment, c'est un travail exceptionnel.
permettre que téléspectateurs yo ouais vraiment vivent ça qui a passé dans l'autre match, les temps forts, les buts, si dans l'autre équipe yo, équipe Anderlecht là, ballon à contrôler là. Alors Olympiakos, Paris Saint-Germain, Anderlecht, merci Wendy du petit déviation pour l'équipe parisienne et Anderlecht a qu'on est en naufrage là. Alors dans ce stade là, gagné on côté écrit ici c'est Paris. Et effectivement, Paris a déploté, déboulonné sous équipe Anderlecht là, qui a baissé et réagi, mais bagarre difficile. Daniel Vess dit même qu'on y a ce qu'on l'a fait. T'as l'entendu? Allez vos jeunes. Oui, et là, Marcus Rashford, en deuxième penalty pour équipe Manchester United là, dans le match là. Oui, on y a raté un déjà avec. Il a raté un déjà avec Anthony Martial et Kounia. Et il paraît que c'est Romelu Lukaku. Oui, est-ce que c'est lui-même ou bien Ander Herrera? Alors, monsieur, pas du place de titulaire de l'équipe là. Wilmix, maintenant tu remarques ça. Et les États-Unis, Blend, l'Irlandais. Alors, il faut croire que dans l'exercice ça, peut-être que Mourinho n'a pas gagné un monde de métier. Là, dans les blindes brillants, Libral Metel, là, l'enforce lui-même. Et lui joint le deuxième goal là, pour l'équipe Manchester United. Là. Oui, United, Kounia 2-0. La passe de Messi. Et là, premier goal, 4 avant de Gomez. 4 avant de Gomez, monsieur. 4 avant de Gomez avec Passa. Est-ce que c'est l'histoire de Gomez? Alors, CSKA Moscou, de lui-même. Merci, défenseur. Merci, défenseur. Un mauvais dégagement. Et puis, bao, on frappe. Et ce match, Portier Bagar fait un rien pour lui. L'histoire reste, papa. Nabdian de Gomez, c'est l'histoire. Bon, qui l'a fait goal, l'histoire? Qui l'a fait goal sous. Passa de Messi vraiment que monsieur Paris avait fait Golan. Nous a parlé de Luis Suarez. La 80e minute dans cette rencontre. Toujours le score de départ 0-0 entre les Grecs et les Espagnols. Malgré alors la Juve égalise avec El Pipita. Maradona qui a pris la défense de Gonzalo Higuaín aujourd'hui, vraiment dans. Regardez, frère, ça, vraiment, Gonzalo Higuaín qui évite sortie portier. Bonne passe de Cuadrado, lui-même qui bien servi Gonzalo Higuaín. Que Maradona a pris la défense lui pour dire que il n'est pas possible que M. Pan en sélection, même s'il a raté un pile goal, mais son équipe qui est toujours présent. Gonzalo Higuaín, lui-même, qui semblait là, à Propreni, après un mauvais début saison avec l'équipe turinoise, là. Équipe, et là, il faut rester de là, on frappe. Cinquième goal pour Paris Saint-Germain. Et Kurzawa pour le triplé, vraisemblablement, oui. Kurzawa, monsieur, dans le jour là, je dis, lui-même, nouvelle réaction, mais quelle action bien construite, quelle phase de jeu. Aviation et puis Kurzawa, on frappe dans le deuxième poteau, oui. Daniel Vess, Angel Di Maria, et puis on frappe. Kurzawa, vraiment, Barça, la passe de Messi pour Deleferrou. Gérard Deleferrou qui conserve l'Ifel avec. On ballon contrôlé, Jordi Alba qui mettait rien net. Ça mettait rien, puisque il t'a pas attaqué. En déviation, vraiment bonne déviation. On centre. Ballon qui va contrer. Sergio Busquets. Luis Suarez. C'est la faute. Alors, je me dis. Oui, mais le nous va regarder. Bon, il a pas le mal. Mais le ballon match vraiment. Et Luis Suarez, bon, je me mets dehors, la phrase est tout bas net. Mais il est net. Et puis, il est allé au devant, il mettre la tête. Luis Suarez. Alors, en tout cas, monsieur qui vient de l'équipe, c'est en 2014.
mais c'est tout ça extrêmement compliqué pour lui. Extrêmement compliqué pour le dégagement avec Ploto. Barcelone en difficulté. En difficulté dans la mesure que yo pourquoi capable de jouer une route goal là. Di Maria, monsieur. Oui, Angel Di Maria. En général, son joueur qui confond un pile, vitesse avec précipitation. Angel Di Maria. Nous retournons dans le match Olympiakos FC Barcelone. Dernière ligne droite, 83e minute. 0 pour Olympiakos, 0 pour FC Barcelone. Et Mascherano, mettez avec Samuel Umtiti. Samuel Umtiti qui gagne l'Ifel pour Sergio Busquets, ouverture en direction de Gérard Deleferro. L'Ifel avec Nelson Semedo. La sortie de Pablo Dybala. En tout cas, alors qui doit commencer à gagner avec l'entraîneur. Et Dybala. Et monsieur pas toujours content. Massimiliano Allegri mettait le dehors. Et c'est Bernardeschi qui rentre dans la place. Olympiakos. Yo capable fier de match que a réalisé là aujourd'hui, hein. Un match vraiment de haut niveau, en disposition tactique qui peut défiler la passe pour Messi, bonne sortie du portier. Portier en proto tape bien suivre. Monsieur a bien suivre et les bien sorti vient rencontrer ballon. Hein. Oui. Justement, oui, Wendy a fait remarquer que même dans 3-1 match aller, hein, et c'était vraiment un autogol avec complicité portière. Barcelone, pas de jambes capable de créer vraiment de véritable action. Équipe ça n'a pas fait goal. Oui, qu'est-ce qui a passé dans le dos là? Ah, est-ce que le travail joué, monsieur? Et comme dans tout le lien, il gaspille le ballon. Mais... Oh, c'est équipe ça, monsieur. Oh là. Et comme si monsieur était en vie gaspiller ballon. Hein. Ballon avec Samuel Umtiti, Limetel, Sergio Busquets, Ivan Rakitic maintenant pour le Barça. L'ouverture en direction de Gérard Deleferro. Côté droite, mais équipe ça, monsieur. Yo défend bien. Yo pas quitté. Barcelone joue un débordement. Yo. Même Axel Waga joue. Alors, Negio et bon marquage intéressant. Que vous faites sous Messi jeudi, hein? Pas mal l'espace du tout. Là, c'est Messi qui a le ballon. Hein? Oui, ou pas carré devant, puisque il est bloqué devant net. Ça la favelle. La passe de Messi. Est-ce que le bon? Non, il bat mon portier. Bien, oui, ballon Manès. Portier hein? Qui capte le ballon. Hein? Il capte 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. Nous, dans la deuxième période, quatrième journée, première partie. Un dégagement lointain de Ploto. On contrôle pour équipe Olympiakos. Mais ça, pas bon. Ballon récupéré avec Nelson Semedo. Sergio Busquets, c'est pour qui ça le fait avec le contrôle de Messi. Oui, le monde qui a marqué. Bonne intervention. Il fait contrôle. Là. Anticipation. Bonne lecture surtout de Samuel Umtiti. La passe de Sergio Busquets pour Javier Mascherano. Mascherano qui gagne. Alors, là où elle prend ban tout. C'est parce que le bagage joue encore vrai, non? Parce que vous sentez que il est encore en jambe. Mais Valverde lui-même fait choix de la jeunesse avec Umtiti. Là, c'est Jordi Alba. Jordi Alba pour qui? Sergio Busquets. On appelle de balle de Ivan. La passe pour Messi. Messi gagne. Non? Ah, il faut. Ah, faut. Arbitre là-bas est faute. Piqué des points carton rouge dans le match aller. Hein. Oui, oui, bon jeu de main. Il a fait goal avec Mel. Arbitre là. Et Balil. Voilà. Oui, il est faute. Oui. Et est-ce que c'est Luis Suarez qui peut aller ou bien Messi? Non, mais il va peut-être aller. Et 87e minute. Et Messi va quitter l'allée. Messi a pris un fel. 3-0 pour ASFOM face à Chelsea. 2 pour Bayern Munich. 2 pour CSKA Moscou. Alors, le SAO, c'est le décisif. Oui, on va pas quitter le nom, mais. Il va quitter le nom de Suarez. La mettez-le.
Messi pour sauver le Barça. Pour faire ça, Messi va le mettre, l'appel fait tout mur là. C'est Silva même, portier qui repousse Luis Suarez. La passe de Leferou, on est sur l'opération, le contrôle. Et puis on frappe qui contrait. Il met le Messi. Messi fait passe là. Là, il y a un jeu. Il y a un jeu, mais là, il y a un pied levé. Il y a un jeu. Faute ou bien un jeu. Faute. Oui, oui. Oui. Voilà. Un match nul face à Barça. C'est déjà un coquin de chaîne gauzé. Mais Goufran, portier repoussé. Portier bien repoussé. Deuxième Goufran de Messi. Repoussé par Proto dans ces deux rencontres. 89e minute, Olympiakos. Équipe ça, on tient surnombre. Yo, t'as capable de faire un meilleur résultat. Parce qu'en fait, Samuel Umtiti avec Sergio Busquets, libre longe le bruit Managicic, Ivan, bien joué Ivan, bien joué. Non, bon contrôle, André Gomes, la passe d'André Gomes pour qui bougera de Leferou. Mais quel tacle réalisé par le joueur de l'Olympiakos, Ivan Agitic, Liffel avec Nelson Semedo. Nelson Semedo pour qui, pour Messi, le contrôle de Messi, Messi gagne l'ouverture de Messi pour Gérard de Leferou, la passe, et puis, ballon dégagé, pas de danger encore, Olympiakos, lui-même, il bouge pas un coup, ou Ravel, il n'est pas capable, oui, ou Ravel, un Busquets fait bon retour, là, on ne va pas jouer, on a un ballon ça, pour guider Busquets, ça récupérer le nom, la passe dans l'intervalle, avec Gérard de Leferou, Gérard, Messi qui passait, et là, ballon qui flanait dans la surface, là. Et son corner, il a joué un match historique là. Match ça, 3 minutes additionnelles. Le corner, ballon qui dégageait pour l'équipe Olympiakos. Gérard de Leferou, Ivan Agitic maintenant. Ivan Metel et puis au conservel. Jordi Alba, la passe pour qui? Pour on demande de 1-2 qui refusait Messi. On frappe de Messi d'Angers encore là. Le Tegué en jeu. Tegué en jeu. En bonne frappe de Messi. Portier Proto, monsieur décidé pas prendre Golan et Messi lui-même. Golan, le coup d'œil, et puis la frappe. Portier lui-même, oui, largement en jeu. C'était largement en jeu. C'était largement en jeu. On attaque Messi, déjà de Leferou de référence, de Leferou, ballon qui contrait. Habit là, pas bail, rien du tout. Pas gagné. Bon, je vois ça, mais qui niveau réel lui? Gérard de Leferou, parce que là, l'année Everton, il va jouer, là, l'année 1000, là, il va jouer. Oui, mais là, c'est pas le masque, les gars, Ness. Vous monsieur jouez. Voilà. 5-0 pour Paris Saint-Germain. 2-1 pour Bayern Munich. 2-1 pour CSKA Moscou. Face à FC Ball. Bayern c'est face à Celtic. Paris c'est face à Anderlecht. United 2-0 face à Benfica. 1-1 entre Atlético de Madrid. Bon, équipe ça, ils sont relâchés. Pour jouer deux matchs avec Karabakh. Fait deux matchs nuls pratiquement là. 1-1 et puis 0-0. Non, Simeone, on va commencer à remettre le coaching en doute. Oui, non, c'est pas possible. Deuxième goal, non.
Alors, et Barça, Messi, action de dernière chance. La passe de Messi, bon André Gomes, André Gomes, André Gomes, l'ouverture. Jordi Alba, centré là, rien impossible là. Messi habite là. Voilà, c'est la fin de la rencontre. 0-0 entre le Barça et l'Olympiakos. Paris Saint-Germain 0-0 sous Anderlecht. Kurzawa à 3 reprises, Neymar et puis Marco Verratti. Voilà, on entre toujours Dani Alves en contrôle d'Angel Di Maria. Barcelone, Paris vient faire goal, 2 minutes. 2 minutes dans cette rencontre. 2 minutes. La gagne de Karabag, la bite, moi, c'est la finie là. Oui. C'est toujours 1-1 entre l'Atlético et Karabag. Sporting 1-1 tout. Passage Juventus. Oui, 1-1. Passage Juventus. Pratiquement en tournant en Paris. Nous dans les premières secondes. Dani Alves, auteur de très bon match. Kurzawa, le bro de Anderlecht. El Shaarawy, le bourreau de Chelsea. Doublé de l'Égyptien, de l'Italien d'origine égyptienne. Paris Saint-Germain. 5-0. Alors, récapitulation rapide de différents résultats. Paris 5-0 face à Anderlecht. Celtic Glasgow tombe la Cali 1-2 devant Bayern Munich. Kings les commandes et Avi Martinez. CSKA Moscou bat FC Ball en déplacement 2-1. Manchester United bat Benfica 2-0. On autogol et on goal sous penalty de Danny Blind. Dani Alves, le centre, la tête de Edinson Cavani, qui n'aura pas marqué aujourd'hui. Oui, Cavani, sous 5 goals par il va faire une. C'est Verratti, Neymar et Kurzawa à 3 reprises. Atlético Madrid vient, on joue après Cadon Rouge, face à Karabag. 0-0. AS Rom Chelsea 3-0. Voilà. C'est match Sao qui a gagné dans première partie. Première partie vraiment. Et quatrième journée ça. Alors, victoire ça. Mettez équipe Paris en 12 points. Ça qui fait que Paris Saint-Germain automatiquement qualifié, oui. Puisque Celtic Glasgow qui perdu a gagné 3 points. Or, abrété 2 matchs. La Cap arrivé avec 9 points. Mais le Babka arrivé à hauteur de Paris Saint-Germain. Dans le groupe ça, Manchester United pour qualifier. Oui, puisque Bâle et Moscou gagnent 6 points. Il est capable d'arriver à 12 points. Dans le groupe Atlético, Rom pour qualifier, Chelsea pour qualifier. Et puis Barça. Et Barça pour qualifier tout. Voilà, merci tout le monde qui a suivi. Première partie, quatrième journée de Ligue des Champions. On a bon rendez-vous demain pour Tottenham face à Real Madrid. Sous Télékiski HN14, Digital Cable 65.